fait-il ? C'est un homme difficile à décrire. Il est beaucoup de choses. Mais le seul moyen de le connaître vraiment est de le rencontrer. Alors, tu ne veux pas m'en parler ? Il y a des détails que lui seul peut te fournir. J'espère que tu comprendras quand tu le verras. Tu trouveras ce que tu cherches sur l'île de Terra. J'ai indiqué le trajet à ton navigateur. Nous nous reverrons en Laconia. Je viendrai. Que Poséidon te garde. Bon voyage. Terra. Quête terminée, front uni. Et en route pour retrouver notre père, du coup. Plusieurs quêtes ont été acceptées. Direction Terra. Eh bien, salut à tous, c'est Blue et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssey sur PlayStation 4. Apparemment, il y a un mercenaire, pratiquement deux mercenaires qui sont sur notre dos. On va faire attention. Mais on va aussi rouvrir le tableau de quête pour sélectionner la prochaine. Allez, voyons voir. Doux foyer. Quête d'Odyssée. Après avoir aidé sa mère à assurer l'avenir de Naxos et appris où était son vrai père, Alexios s'embarqua pour Laconia afin d'affronter son passé spartiate et reprendre l'endroit où il avait vécu. Origine réelle. Myrine dit à Alexios que son père vivait caché quelque part sur l'île de Terra. Elle invita son fils à chercher là où il se trouvait jadis. Là où se trouvait jadis la civilisation. On va plutôt faire cette quête, ok ? On arrive. Agréable cet endroit. Rameur, à leur banc. Préparez l'amarrage. C'est joli. C'est très joli, par contre, ça a l'air d'être complètement en ruine. Ça m'étonnerait qu'on trouve notre père, mais bon. Votre cible est proche, appelez Icaros. Des jeux de lumière, tiens, c'est bizarre ça. Voilà le campement. C'est quoi ces trucs ? J'arrive pas à voir là de loin. Des loups ? On dirait des loups, hein. Et là, il y a un point spécial, on ira voir après. Ça a l'air d'être sous terre, c'est bizarre. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Ah, mais c'est clairement sous terre. Ces ruines sont anciennes. Oh ! Je me demande qui a construit ça et quand. Qu'est-ce que c'est que ces tours ? Île volcanique, forge du monde. Vous avez vu, il y a une porte. Regardez là. Une porte du futur. Rien qu'une tablette. Je me demande ce qui est écrit. Alors que je poursuivais mes recherches sur les ruines. J'ai découvert une inscription parlant d'une porte. D'accord. Je vous laisse lire. Alexios, il parlait en même temps que je parlais, ça me déconcentrait, j'arrivais plus à lire correctement. Non, c'est pas des loups, c'est des panthères. Ah, ce que j'ai loupé. C'est des lynx, c'est pas des panthères. Ça, c'est chiant, ces saloperies. Ça bouge tellement vite. Putain, je loupe tout à l'arc, c'est ouf. Mais, dégage de là. Attendez, je loupe tous mes tirs de flèches. Ok, t'es à moi. D'accord, je me bats avec une torche. Génial. Voilà. Mon débarras. Désolé, j'en ai trop chié là. Et j'ai presque plus de flèches. Faut pas que je loupe ce tir. Et le prochain.
On est bon. Le premier impossible de l'avoir. Donc la clé pour ouvrir la porte apparemment, c'est avec ces miroirs. Ah ok. C'est aligné. C'est tout ? Attendez, c'est tout ? Non, c'est pas tout. Ça serait beaucoup trop facile. Pas par ici. Yes, faut ouvrir cette porte aussi. Au final, c'est simple, c'est pas des sortes de puzzles comme à Zelda ou autre. Donc ça va. Les jeux de lumière à chaque fois avec les jeux Zelda ou comment ça s'appelle ? Uncharted, c'était la galère à chaque fois. Il y a des bêtes qui nous ont attaqué, j'ai l'impression qu'il y a des serpents quelque part. Ah oui, un serpent là. Dommage. J'ai plus de flèches. Et le dernier lynx, on va pas l'embêter. J'imagine qu'il faut qu'on cale. Ah oui. Voilà, faut qu'on cale. Ça ici. Ça a l'air d'être dans la bonne position. Et qu'est-ce qui me manque désormais ? Il manque quelque chose, mais je sais pas quoi. Y'a moyen qu'on ramasse ça ? Non, y'a pas moyen. Bizarre, bizarre. Pourtant, il y a l'air d'avoir plusieurs jeux de lumière. Là-bas, il y a un truc. On va y aller, on va voir. Faut déplacer ça. Ça doit être le dernier à déplacer, à mon avis. Non, loupé. On peut pas tirer ? Non, on peut pas. Il doit y avoir quelque chose de spécial à faire. Ah, peut-être ça. Pourquoi je peux pas le tirer ? J'aimerais le tirer. Ah, on peut pas le tirer, on peut seulement le pousser, d'accord. Alexios, qu'est-ce que tu fais ? Viens là. Bien. On va réessayer. On va caler ça tout au fond, si possible. Pas possible, d'accord. Pas grave. Ça comme ça. Et ça comme ça. Ah ! Voilà la suite. On y est presque. Des serpents. Plein de serpents. Là, ça devrait marcher. Maintenant, essayez la porte. Ah oui, ça fonctionne. Cool. Parfait. Presque du premier coup. Enfin. Bon, qu'y a-t-il à l'intérieur ? Ah.
Un petit peu trop sombre. Oula. D'accord, c'est de l'eau. Y'a pas autre chose au-dessus? Y'a rien d'autre. On peut sauter. C'est pas passé loin. Y'a un truc qui est caché sous le rocher. Entendu. On peut pas le récupérer, ça c'est dommage. Ça c'est bon. Oula. Pourquoi mon père serait-il ici? Me dis pas que c'est un monstre ou un truc dans le genre. Non, c'est pas possible. Il fait chaud ici. C'est clair. Magnifique. Le plafond s'écroule. Alors on va faire comment pour passer? Je dois rester prudent. Ouh, ça a l'air tendu. On saute? Oh. J'ai pris feu! Non! Malak! Il faut que j'éteigne ça! Ok, ok. Non! Comment ça, je suis mort? Putain! Bon, de retour. Pourquoi j'ai pris feu? Pourquoi je suis mort comme ça? Restez prudent. J'ai l'impression que si on descend, en fait, on crame. On va réessayer. Non! Il faut éteindre ça! Ah, ok, fallait se dépêcher, en fait. Fallait se dépêcher, on prend feu si on est sur cette pierre. C'est pour ça que je suis mort. Ah, je suis mort bêtement et vraiment de peu. Dommage. Si j'avais su... Oula. L'obscurité, ma fidèle partenaire. Je vous avoue que je suis un peu dégoûté là. Je crois que c'est la première mort dans le jeu. Il me semble. Alors... J'ai encore cramé là. Comment je vais faire? Attendez, je vais sauvegarder. Genre sauvegarde rapide. Ok. Comment je vais faire pour passer là? Waouh, c'est pas passé loin. Ok, on a réussi. Ma punaise. Il a pas peur, hein, il a pas froid aux yeux, Alexios. C'est quoi cet endroit? Portail vers Cité oubliée. Il est temps de plonger. Je me demande où on est là. Cet endroit est gigantesque. Non, Atlantis. Non, attendez. Alexios, c'est un mec d'Atlantis? Eh oh! Icaros! Traître. Salutations, Alexios. Bienvenue dans l'Atlantide. L'Atlantide? Impossible! Je croyais que ce n'était qu'un mythe! De nombreux secrets de ce monde se dissimulent derrière les mythes et les légendes. Et qui es-tu?
Je m'appelle Pythagore. Je suis ton père. Pythagore ? Ça n'a aucun sens. Il est mort depuis plusieurs décennies. Oui, près d'un siècle, si ma mémoire est bonne. Et pourtant, je me tiens là, devant toi. Et Icaros ? Mon plus vieux et plus fidèle ami. Je l'ai chargé de veiller sur toi. Et aujourd'hui, te voilà. Je cherche ma destinée. Je suis venu rencontrer mon père. C'est Myrine qui m'envoie. J'ai fait un long chemin pour rencontrer mon vrai père. Toi, tu n'as pas été envoyé ici pour des retrouvailles. Il y a des choses plus importantes en jeu. Pourquoi suis-je ici ? Quel est mon rôle dans tout ça ? Je veux des réponses. Cet endroit abrite un savoir, un puissant savoir. En de mauvaises mains, ces secrets pourraient entraîner la disparition de l'humanité. On ne peut pas laisser n'importe qui découvrir ce lieu. Nous devons trouver le moyen de l'isoler définitivement du monde. Je n'y comprends rien. Je suis un guerrier, pas un érudit. Nous avons tous une fonction, Alexios. La tienne est de m'aider à protéger les secrets de l'Atlantide. Waouh. Et pourquoi t'aiderais-je ? Nous devons sceller cet endroit. Et pourquoi t'aiderais-je ? Tu n'as jamais été là pour moi. Si tu as dû endurer cette vie, c'était pour t'endurcir, en prévision de l'avenir. Mais je n'ai jamais rien demandé, moi. La destinée est un fardeau que nous devons tous porter. Pas le fruit de nos décisions. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Les réponses que je cherche se trouvent derrière ces mécanismes. Ils sont scellés. Et les artefacts qui les ouvrent sont absents. Alors, je dois trouver les artefacts et les rapporter dans l'Atlantide. J'ai rassemblé bon nombre d'informations essentielles, permettant d'indiquer où se trouvent de tels éléments. Mais ils sont incroyablement puissants. Ils sont capables de corrompre les esprits faibles, et même de se défendre. Je les rapporterai. Mais j'ai encore des questions. Et j'ai des réponses. Pour l'instant, cependant, prends ceci. C'est une partie d'une clé permettant d'accéder à un artefact caché en Béotie. Un de mes alliés tente de trouver l'autre moitié. Oh non. Terra, on a trouvé l'Atlantide. L'Atlantide ? Laisse-moi vérifier tes constantes. Tu délires ? On cherche un artefact Issou capable d'altérer la réalité. C'est ce qui te tracasse ? Oh. Pythagore est né vers moins 570. Ça veut dire qu'il aurait dans les 150 ans. Mais qu'est-ce qui aurait pu le maintenir en vie ? Le bâton d'Hermès Trismégiste. Misrasan, tu avais raison. Je vais t'aider à emballer le matériel. Merci. Allons-y. J'ai rejoint les coordonnées. Je devrais être au-dessus des grottes qu'on a détectées. Mon équipement est prêt. Je me prépare à plonger. Leila, tu ne sais pas ce qu'il y a là-dessous. Des requins, peut-être ? C'est toujours mieux que des Templiers. Pour Abstergo, nous voilà. Bonne chance, Leila. Merci. Bon, je descends, là. Il doit bien y avoir une entrée. Je vais la trouver. Ah, finalement, c'est cool. J'avais peur qu'on fasse encore un truc. Un truc nul. Et là, c'est vraiment cool. Un petit passage d'exploration plutôt que de parlotte. Vous me recevez toujours ? C'est un peu le monde du silence, ici. On t'entend, Leila. Merci. C'est juste que c'est sépulcral. Tu n'es pas seule, Leila. On suit ta progression. Tu t'en sors bien. Ouais, en cas de besoin, on est là. Ah, pas besoin d'être à bord d'un bateau pour être utile. J'ai des tonnes d'informations sur la Grèce antique. Et vous saviez qu'à Zakros, les Minoens avaient un cimetière si grand qu'on l'appelle la Gorge des Morts. On pourrait éviter de parler de morts. Alana, promets-moi que si je meurs ici, tu baptiseras cet endroit la Grotte des Morts. Compte sur moi, je te jure. C'est trop sympa, merci. On est arrivé ? Ah, finalement, un passage vraiment intéressant. C'est dommage qu'ils en aient pas fait un peu plus des comme ça, plutôt que les trucs bateaux qu'on a eu avant, genre dans la pièce, etc. Ça, c'est beaucoup plus intéressant.
Ça rappelle un peu les phases avec Desmond dans les premiers Assassin's Creed. Le loft à Londres va me manquer. J'aimais vraiment la vue. Te manquer? Tu ne pourras plus y retourner? T'as pas lu le mémo de Kiyoshi? Abstergo l'a passé au peigne fin. Il n'est plus fiable. Je faisais des recherches sur Terra. Kiyoshi, ça va comme tu veux? Oui, ça va. Après avoir sorti les derniers équipements, j'ai pris le temps d'observer leur opération à distance. Ils ont pris le cadeau que je leur avais laissé? Oui. Ils ont trouvé la clé USB oubliée sous le bureau. Bien joué. Personne chez Abstergo ne sera assez bête pour l'insérer dans un ordinateur. Pas besoin. C'est juste une coque avec l'un de mes émetteurs RFID. Il suffit qu'elle approche d'un poste de travail, genre au bureau du chef de la sécurité, et... Bam! Impressionnant. Routine de hackeuse. Waouh! C'est carrément plus élaboré que ce que je pensais. Par contre, là, l'Atlantide a l'air mort. Je donnerai cher de loin du moins. Une boîte à outils sous. Ça a l'air en ruine. Ça a pas l'air tout beau comme avant. Ah non, j'ai peut-être parlé trop vite. Il y a des éléments esthétiques communs, mais... Il y a toujours la grosse Raymanta, là. Faut que je quitte cette tenue de plongée avant d'explorer. C'est vrai. J'ai réussi. Leila, Altair 2, j'y suis. Vous avez un visuel? Oui. Par les dieux, Leila, c'est l'Atlantide. Comment tu te sens? Pas de nausée à cause du changement de pression? Non, ça va. Ces salles sont... incroyables. Réfléchis, Leila. Il doit y avoir un moyen. Quelque chose doit alimenter cet endroit. Je retourne dans l'Animus. Il faut que je voie comment Alexios a fait pour aller plus loin. Nouvelle quête acceptée. Il a rien à lui dire, lui? Je sais que le temps manque. Mais il me faut des réponses. J'imagine que tu as beaucoup de questions. En effet. Parle-moi de ma famille et parle-moi de l'Atlantide. Que dois-je faire avec les artefacts? J'ai des questions. À propos de ma famille. Les liens sentimentaux et émotionnels qui se tissent entre les gens m'ont toujours agacé. Je savais qu'une femme telle que Myrin y succomberait. Pourquoi nous avoir abandonnés? Comment as-tu connu Myrin? Pourquoi notre famille? Pourquoi venir ici et nous abandonner à Sparte, ma mère et moi? Je n'ai jamais eu l'intention de t'élever. Notre devoir était de prolonger notre ancienne lignée et de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un d'assez fort pour faire le nécessaire le moment venu. Tu aurais pu nous amener ici avec toi? Tu n'aurais pas été prêt, Alexios. Si tu es ici depuis toutes ces années, comment as-tu connu ma mère? Nous descendons tous les deux du peuple qui a bâti ce lieu. Et nous avions pleine connaissance de notre obligation envers cette lignée. C'est pourquoi tu as accepté de me concevoir. On peut le résumer en ces termes, oui. Pourquoi le culte traque-t-il notre famille? Notre famille a pour destinée de contrôler le pouvoir que recèle cet endroit. Notre sang contient la clé des secrets de l'Atlantide. Alors, le culte veut notre sang? Ton destin est tracé, mon enfant. Anéantir le culte et son influence sur le monde grec. Tu menaces tout ce qu'il a accompli parce que tu as le pouvoir de t'opposer à lui. Il a essayé de me tuer et il a échoué. Il ne me contrôlera jamais. C'est tout ce que je voulais savoir. J'aimerais en savoir plus sur l'Atlantide et sur ton travail. Je n'ai pas assez de temps pour expliquer ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai appris ici. Tout ce que je peux te proposer, c'est de t'éclairer un peu. Tu l'appelles Atlantide, mais... quel est exactement cet endroit? Je pense qu'il abritait une ville, jadis.
un lieu où ont vécu des êtres d'un grand savoir et d'un grand pouvoir, bien avant les toutes premières communautés humaines. C'était peut-être une sorte de bibliothèque où les anciens entreposaient leur savoir. Cet endroit ressemble à un tombeau. Comment as-tu fait pour y vivre aussi longtemps ? Comme ta lance, cet artefact renferme un pouvoir inouï. Il m'a maintenu en vie, afin que je puisse continuer à apprendre ici. Qu'as-tu étudié ici ? Tout. L'histoire de la première civilisation, sa culture, sa science. Tout cela peut nous permettre de transformer la destinée de l'humanité et de l'amener vers un âge d'or. Seuls les dieux ont le pouvoir de modifier la destinée. Mais c'était des dieux. Des dieux vivants, qui respiraient. J'en ai assez appris. Dernière question. Que dois-je faire avec les artefacts ? Place-les dans les stèles correspondantes. Et le chemin des réponses s'illuminera. Je dois partir. Oui, il y a beaucoup à faire. Rapporte les artefacts, sans tarder. Plus nous attendrons, plus l'Atlantide courra le risque d'être découverte. Ok, très bien. Et bien du coup, prochaine mission, on va retrouver notre mère en Lacédonia. Maintenant qu'on a vu notre père, on va pouvoir aller lui parler. Et ensuite, tout ce qui est artefacts, etc., on verra un peu plus tard. Apparemment, la map a été mise à jour, les quêtes aussi. On regardera tout ça ensemble dans le prochain épisode. Donc merci une fois de plus, on va cesser. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce dernier épisode. Bien sûr, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à très très vite pour la suite de l'aventure. Et ciao, ciao!